Voilà, alors c'est avec un joli verre de vin ardéchois qu'on accueille Lio. Mais quel bonheur de vous avoir. Vous pouvez pas vous imaginer, alors je dois tout vous avouer, que de toutes les personnalités, j'apprécie tout le monde. Mais alors, si je ne vous avais pas eu à ce micro, j'avoue que j'aurais été très frustré ce soir. Oh, ben écoutez, parce que vous voilà. avez bercé mon adolescence, vous avez bercé mes premières années de jeune adulte. Et vous êtes toujours resté comme ça dans mon cœur, comme beaucoup de notre génération. Les cinquantenaires qui avons eu et bercé par toutes ces musiques qui restent encore aujourd'hui énormément d'actualité. Vous êtes surprise, vous ? Oh ben non, je pense que... Enfin, je suis surprise, je suis toujours agréablement surprise. En même temps, moi-même, j'aime d'autres gens qui sont là depuis des années. Les chansons populaires ont la force de la vie. Ce sont celles qui vivent, ce sont celles qui nous amènent à des souvenirs, qui... Et c'est ça, la musique populaire. La musique populaire, c'est pas que de la musique où on pense, c'est de la musique qu'on vit, une musique qui est attachée à des souvenirs, à des moments de notre vie. Et c'est sa beauté, c'est cette beauté-là. Aujourd'hui, vous avez de jeunes qui viennent au concert, notamment les années 80. C'est des jeunes qui ont été bercés par leurs parents ou leurs grands-parents et qui aujourd'hui continuent à connaître ces chansons, comme si les chansons actuelles leur correspond pas ou ça ne correspond pas à quelque chose qu'ils attendent au fond d'eux-mêmes. Alors en fait, je pense que c'est en train de changer. Parce que pendant un temps, avec les années 90, la chanson n'était plus importante. Et d'ailleurs, mes enfants ne parlaient plus de chanson. Ils me disaient, écoute ce son. C'est ça. Et alors moi, je réfléchissais pourquoi son. Mais en fait, parce qu'il n'y avait plus le refrain. Il n'y avait plus ce qui nous liait ensemble. Donc les années 90, c'est les raves, c'est la drogue où chacun... est tout seul dans son monde et danse comme ça jusqu'au bout du temps sur des musiques, mais où on n'est plus ensemble à répéter des refrains. Et je crois que quand on n'a pas le refrain, qu'on peut chanter tous ensemble, ben, les artistes, ils ne durent pas. Ce qui dure, c'est quand on chante avec, c'est quand on met avec, et que du coup, ça crée du lien. C'est ça. Des chanteurs comme Vianney aujourd'hui, par exemple. Voilà, comme Clara Luciani, exactement. Comme Angèle. C'est de la chanson. C'est ça. On n'est plus dans le son, pur et dur. Et ils ont réussi à faire le truc des deux. Elle est exigeante, cette nouvelle génération. Oui. Moi, je suis très fan. Hein. Je suis très fan. Hein. Et même de Maître Gims, dont j'adore absolument la voix. Que moi, pour moi, il est très, très, très bling-bling. Et à un moment donné, je sature. C'est un peu comme Kim Kardashian. Je les mets dans le même... Mais bon, c'est fascinant, mais il a des chansons et il a une voix incroyable. Donc je pense qu'il restera un chanteur populaire. C'est les nouveaux chanteurs, ils sont de nouveau populaires, mais parce qu'il y a ce refrain, parce qu'il y a ce truc, ce lien. Les gens se relient de nouveau autour d'un moment et d'une chanson. On a entendu pas mal de médias parler évidemment de cette venue des stars 80 ici au Pouzin. Et on dit aujourd'hui Lio tête d'affiche. C'est pas dur à porter parce que vous êtes une bande de copains aujourd'hui, il faut l'avouer. Je me vois pas comme ça. C'est ça, parce que les médias en parlent et je me posais moi-même la question et je me disais, mais pourquoi ? Parce que vous étiez tous sur des univers différents quand on prend tous les chanteurs. On ne se parlait pas beaucoup, vous savez, à l'époque. Faut pas croire, il n'y avait pas. Écoutez, je vais dire des choses qui vont peut-être vous sembler étranges et je ne sais même pas si j'ai vraiment raison de les dire. Mais vous voyez, aujourd'hui, les chanteurs des années 80, c'est un peu la cour des miracles. On n'est pas dans le série A, on est dans une série B. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans la cour des miracles, il y avait Esmeralda. Il y a des gens qui sont dans notre imaginaire. Et ce n'est pas pire, c'est ça que je veux dire. Mais ça n'est pas reconnu urbainement, ce n'est pas reconnu à Paris. On est toujours un peu méprisé, toutes ces tournées des années 80 avec ces chanteurs qui ont vraiment un public et qui sont vraiment dans le cœur des gens. C'est un peu méprisé par les faiseurs d'opinion. C'est ça, oui. Et c'est aussi ça qui nous a rapprochés. C'est pour ça qu'on est devenus amis, parce que je pense que c'est dans l'adversité qu'on est solidaires. Et au final, on a de la pudeur, parce que c'est jamais facile de se dire que, oui, qu'on n'est plus série A, qu'on est série B. Mais malgré ça, ça continue. Et on s'en fout. Et au final, ce n'est absolument pas grave. Et c'est ça que j'ai moi appris. Et moi, j'ai appris à investir totalement cet endroit où je suis. Et je ne me sens plus du tout de seconde zone. Je me sens totalement de première zone. Quelles que soient les tournées que je fais, même si je ne suis pas dans les festivals chic et in d'aujourd'hui, ça m'est égal. Je suis à la rencontre d'un...
du public qui est là, c'est pas mon public, c'est un public qui est là et qui nous suit et qui chante avec nous et qui est avec nous ce temps-là et qui est pleinement là. Comme nous, on est pleinement là avec Bibi, avec Jean-Pierre Morgan, avec les partenaires, voilà, et avec les Zouk Machines. Oui. Et autant on ne se parlait pas à l'époque, autant on se parle énormément aujourd'hui. Et il y a du sentiment et il y a quelque chose qui vaut que la vie vaut la peine d'être vécue. Et moi, j'aime ça. Voilà, je n'ai aucun second degré avec ça. Je suis pleinement là tout de suite. Et oui, tête d'affiche, on est tous tête d'affiche. Oui. En fait, c'est nos chansons que les gens viennent chercher. Vous avez toujours eu cet engagement, cette franchise, on peut le dire, hein. Ça vous a fait mal à un moment donné de votre carrière d'avoir cette franchise, parce qu'on me souvient de certaines phrases, certaines sorties. On le paye toujours très cher. Ah ouais, très cher. Très très cher. Et c'est votre liberté. Je ne sais pas faire autrement, je pense. Simplement devenir plus douce, parce que quand on est aussi frontal en fait que moi, parfois la vérité peut faire très mal. Et moi, je pense que ça ne vaut pas la peine de dire la vérité quand la vérité ne rend pas les gens mieux et plus heureux. Voilà, donc moi je suis pour se taire. Et parfois j'ai du mal à me taire. Donc moi j'apprends ça, j'apprends la tendresse, j'apprends juste à mieux dire les choses. Mais mon engagement, il a toujours été le même. De toute façon, j'aime vraiment les autres, j'aime vraiment, je ne suis pas du tout misanthrope. Mais je n'aime pas le pouvoir en revanche. Je n'aime pas les abus de pouvoir, encore moins, voilà. je suis profondément d'accord avec tout ce mouvement gilet jaune. Je comprends exactement ce qu'on ressent quand on est déclassé, parce que moi-même, je l'ai été. Donc, je sais exactement ce que ça touche et à quel point on se sent plus rien. Parce qu'on est très fragile, les humains sont très fragiles, la vie est très fragile. D'ailleurs, regardez, le monde va mal parce qu'on le traite très mal. Voilà. Justement, dans ce genre de concert, de plateau, on retrouve justement, les gens se retrouvent ensemble. Mais oui, on se retrouve ensemble, le lien social est là. Et on va dans les petites villes, là où il y a peu de choses qui se passent, et on est heureux de venir là. Et on est toujours accueillis comme des rois et comme des reines. Alors moi, je préfère être reine dans la cour des miracles qu'être celle qu'on foule aux pieds à Paris. C'est joli, c'est joli. Une chanson qui ressort le plus du public, c'est laquelle? Parce qu'il y en a tellement eu de succès chez vous. Moi, très sincèrement, je ne sais pas dire quelle est la chanson aujourd'hui de Lio que j'aime le plus ou que je chanterai le plus. Le public, c'est laquelle? Ben moi, je crois que quand même, quand il me voit dans la rue, ce qu'il me chante, c'est Banana. Ah, Banana. Je crois que ça a quand même marqué. Donc, c'est toujours la première chanson. Donc, j'imagine que c'est quand même celle qui a... Parce que ça a été une irruption. Oui. C'était une irruption qu'on n'attendait pas. C'était aussi une chanteuse différente parce que les chanteuses des années 70 étaient très... 70, pardon, oui. C'est mon côté belge qui ressort. elles étaient très, très... Avec un imprésario, elles étaient très marketées, très formatées. Et tout d'un coup, avec les années 80, les radios libres, le pouvoir a perdu la main pendant un court instant. Et donc... Plein d'expressions variées, plein de choses très variées ont fait irruption. Et ça, c'est la vie même, parce que la vie, elle est comme ça, elle est éclatée, elle est époustouflante, elle est variée, elle explose. Et c'est le pouvoir qui nous meurt, hein, qui nous rend petits et qui fait qu'on meurt. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour refaire exploser ce système ? Ah ben je me le demande, vous avez vu dans mes yeux que je me demandais mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire exploser ce système qui nous esclavagise complètement ? J'ai pas de réponse, mais parce que la récupération, les médias, le contrôle se fait d'une manière beaucoup plus subtile. Avant c'était violent, alors on savait où était l'ennemi. Mais maintenant c'est plus violent comme ça. Ça se fait doucement, alors on meurt doucement et c'est comme nos vieux qu'on met dans des EHPAD. On ne les voit pas hurler, alors pour la plupart des gens, ça n'existe pas. Mmh. On est arrivé au bout d'un cycle, alors? Je crois. Vaut mieux l'espérer? Moi, j'espère qu'il y aura une renaissance. Moi, pour le moment, je vis dans quelque chose qui est de l'ordre de, vraiment de la tristesse profonde, parce que j'ai fait 6 enfants et que j'ai très peur du monde qui les attend. Parce que quand j'entends les prévisions pour 2030, je me demande ce que j'ai fait, quoi. Et je m'en veux beaucoup, et en même temps j'ai pas le droit de le dire parce que j'ai donné la vie, que sincèrement je vois pas non plus qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux que donner la vie.
Et je veux surtout pas non plus que mes enfants perdent espoir. En plus, ils en sont pleins. Vive la jeunesse. Mais moi, j'aurais voulu avoir des petits-enfants. Et aujourd'hui, je ne sais plus si je le souhaite. En fait, égoïstement, oui. Mais pour la vie qui les attend, non. Et je pense qu'on se la pose tous. Je suis jeune papy. Je me la pose cette question. Mais est-ce que la vie n'est justement pas plus forte que, je ne sais pas. Voilà. Vous savez, il y a eu des planètes vitrifiées. Oui. La mort existe aussi. Oui. Et elle fait partie de la vie. C'est une résolution, disons. C'est ça. En tout cas, c'est extrêmement touchant. Vous gardez toujours cette même et belle énergie, belle âme. Moi, je crois beaucoup aux gens. C'est ça. Je crois beaucoup aux gens. Je suis une vraie humaniste dans l'âme. Oui. Je trouve qu'on est souvent très décevant, mais qu'on est aussi très souvent formidable et géniaux. Le génie humain existe, et la bonté existe, et c'est, je pense, l'expression la plus subtile de l'intelligence. Merci pour l'accueil, Bio, en tout cas. En tout cas, et puis attendez-vous ce soir un public exceptionnel, l'Ardèche. C'est un j'en public. Suis sûre. Vous savez, nous avons un terroir et un territoire extrêmement fort. Très fort, je sais. L'Ardèche, c'est la Corse. Exactement, c'est la Corse du continent. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc vous allez voir un public qui, à mon avis, est prêt à passer une belle soirée et avec je vous. Suis ravie. On sait que vous allez donner énormément sur scène. Donc tout est réuni avec le soleil ardéchois aujourd'hui. Et ce beau temps, ça va être formidable. Et puis surtout ce vin. Ce vin ardéchois. Voilà. Merci Lio. Vive les hommes et vive le vin et voilà. Vive les femmes surtout. C'est ça. J'embrasse tout le monde. Merci. Merci Lio infiniment.